Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, coup de gueule. Mais on va essayer de faire ça calmement. Je vais me poser, je vais essayer de vous expliquer clairement et calmement ce qui m'énerve. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent, mais aujourd'hui, c'est un sujet particulièrement énervant pour moi. On va faire ça tranquillement. Parce que là, en fait, tu m'as bien regardé. T'as cru qu'on allait traiter d'un sujet comme ça sans que je m'énerve en plus? Vous avez déjà été voir la catégorie jeux vidéo pour filles sur ces putains de sites internet ou dans les magasins? Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, sans déconner! Donc une fille aujourd'hui, en 2017, après le droit des femmes et toutes ces journées à la con qu'on nous fout, elle est obligée de jouer à Léa Passion vétérinaire, à Léa Passion machin chose, à je fais la cuisine et la popote, je m'occupe des bébés et des chiens! Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et pourquoi une fille elle pourrait pas jouer à ça? Pourquoi une fille elle pourrait pas jouer à ça? Et pourquoi une fille elle pourrait pas jouer à ça non plus? Ou à ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? On est en 2017 les gars, et tout ce que vous trouvez à nous dire c'est qu'une gamine en 2017 elle peut jouer qu'à s'occuper des bébés et des animaux? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire putain? C'est un sujet qui m'énerve depuis très longtemps et j'en ai ras le cul de voir ça. Et les vendeurs dans les magasins, les vendeurs, les vendeurs. Alors votre petite fille, elle a quel âge? Elle a 10 ans? Voilà, j'ai Léa Passion vétérinaire. Non mais sans déconner putain, et tu peux pas lui demander ses goûts à la gamine avant plutôt que de lui demander son sexe? Qu'est-ce que ça change que ce soit un gars ou une fille? Merde! Et si la gamine, elle adore Zelda, comment tu peux savoir si elle va aimer ou pas, si de toute façon, depuis qu'elle est née, tu lui dis non. Toi, tu joues avec des bébés, avec des Barbies, et quand tu joueras à la console, tu joueras à Cooking Mama, Nintendogs et Léa Passion. Mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y en a ras le cul. Et puis vous, les parents, vous, parce que vous vous cautionnez tout ça, très clairement. Votre gamine, vous voyagez avec un flingue. Oh bah non, c'est une fille, elle peut pas jouer à ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Et donc après, on va vous dire, bah plus tard, on va vous dire, c'est une fille, elle peut pas aller à l'armée, c'est une fille, elle peut pas faire tel boulot. Sans déconner, mais sans déconner. Et vous cautionnez ça, putain de merde, vous cautionnez ça. Ça me rend fou, là. Ça me rend fou. Comment on peut cautionner ça? Pourquoi une fille aujourd'hui elle pourrait pas jouer à Flatout? Pourquoi une fille elle pourrait pas jouer à Zelda? Pourquoi une fille elle serait obligée de jouer à Barbie ou à Léa Passion ou à toutes ces merdes? Pourquoi une fille elle aurait pas le droit de jouer à Call of par exemple? Qu'est-ce que ça fait? Donc si c'est un mec qui défouraille dans un jeu vidéo c'est pas grave, mais une fille c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Sans déconner, qu'est-ce que ça peut foutre? J'en ai ras le cul moi de ça, j'en ai ras le cul. Mais c'est pareil pour les jouets hein. À les jouets vous avez un rayon garçon, un rayon fille. Les enfants dès leur naissance. On leur explique bien, toi t'es un garçon, t'es pas pareil que la fille. Et après quand ils sont adultes, on leur dit non, ta femme, il faut la traiter à ton égal, elle a les mêmes droits que toi, elle fait la même chose que toi, elle n'est pas coincée dans la cuisine. Parce que depuis qu'ils sont gamins, on leur explique qu'une fille, c'est pas pareil, qu'une fille, elle joue pas avec les mêmes jouets, qu'une fille, elle fait pas la même chose, une fille, elle joue à la dinette, toi tu joues au pistolet, par exemple. Donc en gros, des gamins déjà, la fille, elle passe l'aspirateur, elle fait la cuisine, et toi tu joues au pistolet, au docteur et à je ne sais quelle connerie. Et après. On va te dire une fois que t'es adulte, ta femme elle a les mêmes droits que toi, ta femme tu dois la traiter pareil, ta femme elle a le droit d'aller travailler, ta femme. Mais commencez déjà par arrêter de mettre ça dans la tête des gosses dès le départ. Sans déconner. On est en 2017, et encore en 2017, on nous dit que le rayon jeux vidéo pour filles, d'abord qui ne devrait même pas exister, on devrait avoir un rayon jeux vidéo, point barre. Et ben une fille, elle peut jouer à Zoo Tycoon, Léa Passion, Nintendogs, Barbie et. Toutes les conneries du genre, les coiffures machin, enfin, Art Academy et toutes ces conneries. Donc une fille en 2017, on nous dit encore qu'elle peut pas jouer à Nier Automata, à Flatout, à Halo, à Call of, à Battlefield, à FIFA même, pourquoi pas. Elles ont pas le droit. C'est. Voilà. Et le pire, c'est que les vendeurs dans les magasins. Moi, je sais pas, je suis pas vendeur dans un magasin, mais mon premier réflexe. C'est de demander ses goûts à la gamine. C'est pas de demander si c'est un gars ou une fille. Ma première question, c'est de dire, bah, votre enfant, quel âge il a et quels sont ses goûts. C'est pas est-ce que c'est un gars ou une fille. On n'en a rien à foutre de ça. Voilà. Et là, les vendeurs, leur premier réflexe, c'est quel âge et quel sexe. Qu'est-ce qu'on s'en branle de son sexe? Et les parents cautionnent ça. C'est ça le pire. C'est que les parents cautionnent.
Ta fille, elle aurait pas le droit de jouer à Mario et à Zelda? Parce que c'est une fille? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis après, quand elle va grandir, tu vas lui dire qu'elle a les mêmes droits, alors que toute son enfance, tu l'as empêchée de faire des trucs que les garçons pouvaient faire, parce que c'était une fille. Mais où est-ce qu'on va, sans déconner? Où est-ce qu'on va? Moi, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en ai marre de ces conneries. J'en ai marre. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un mec sur Twitter qui a acheté une dinette à son gamin. Il s'est fait insulter par des centaines de personnes, comme quoi il allait en faire un PD, je ne sais quelle connerie j'ai lu, mais des trucs. Mais je me dis, quand on vit dans un monde comme ça, sans déconner, mais quand on vit dans un monde comme ça, comment voulez-vous que ça aille après? Mais moi aussi, gamin, j'ai joué avec des dinettes. Enfin, voilà, comme n'importe quel gamin. Est-ce que ça a fait de moi un détraqué homosexuel? Et en plus, je mets pas détraqué et homosexuel dans la même phrase, hein. Mais bon, c'est un peu ce que les mecs racontaient sur Twitter. C'est que le gamin, il allait être détraqué, qu'il allait être homosexuel. D'abord, être homosexuel, c'est pas une maladie, pour commencer. Et puis, c'est pas parce que t'as joué avec une dinette quand t'avais 8 ans que plus tard, tu seras détraqué. Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, je suis à moitié con, mais c'est pas à cause de la dinette, hein, clairement. Et je ne suis pas homosexuel, pourtant, j'ai joué avec ça. Et puis, comme je vous dis, de toute façon, l'homosexualité, c'est pas une maladie. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'un petit garçon de 8 ans, il passe l'aspirateur, par exemple, qu'il joue avec une dinette, qu'il fasse à manger, si ça en fait un grand cuistot plus tard, parce qu'il adore ça quand il est gamin déjà. Qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'est-ce que ça peut foutre? Alors s'il vous plaît, vous nous faites déjà ça avec les jouets. Arrêtez de nous faire ça avec les jeux vidéo. Moi je m'en fous. Moi j'aimerais bien jouer avec plus de nanas aux jeux vidéo. J'en connais quelques-unes. Des nanas qui jouent à Overwatch, qui jouent à Call of, qui jouent à des jeux comme ça. Moi je joue pas à Call of perso, vous voyez, pourtant je suis un garçon. Mais je connais des nanas qui jouent à ces jeux. Et je trouve ça très très bien. Et c'est des nanas qui sont pas détraquées. Elles sont très jolies, elles font attention à elles en dehors, elles sont très bien. Il n'y a pas de problème, elles sont pas complètement... voilà, hein, y a une petite jeune qui m'a ajouté il n'y a pas longtemps, qui va ouvrir sa chaîne YouTube elle aussi, qui joue à des jeux comme ça. Elle est très jolie, elle prend soin d'elle, elle fait attention, elle n'est pas détraquée, elle est en couple avec un mec, tout va bien pour elle. Il n'y a pas de problème, et pourtant elle joue à Call of et à Overwatch, mais elle n'est pas complètement teubée. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous élevez vos gamines avec des jeux où c'est tu fais la cuisine, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes des animaux, il faut pas se plaindre derrière que plus tard, quand elles sont adultes, elles se retrouvent coincées dans la cuisine avec des putains de machos qui leur matent la gueule. Enfin, à un moment donné, on est en 2017. On est en 2017 et il y a encore des gens qui nous font du marketing comme ça et qui pensent comme ça, sans déconner. Sans déconner. Alors plutôt que de nous faire des journées des droits de la femme ou je ne sais quoi qui servent à rien, corrigez plutôt ce genre de problème dans cette société à la con. Et là, ça servira à quelque chose. Merci.